Papa! Ici, ici! Celui-là, viens vite! Ah! T'es où? Viens! Celui-là, celui-là! T'es où, pas? Papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mon épaule, putain! Excuse-moi! Ton contient m'a réveillé, il gueulait contre le champ. Hein. Tu peux te lever, là? Ouais. Je comprends pas ce qu'il leur a pris. Qui c'est, quand tu parles? Ça fait longtemps que vous avez ça? Quoi? Ça? C'est rien, c'est mon eczéma. Ça me démange depuis quelques jours, mais rien de bien grave. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de l'eczéma? Bon, enlevez votre t-shirt, Eric. C'est sur ce temps que t'as persuadé Claire de te suivre en ville? Des quoi? Des brûlures chimiques. Comment j'ai pu me faire ça? C'est ce que les analyses nous diront.
Comment va mon grand-père? Je crois qu'il sait qu'on couche ensemble. Il va suffisamment bien pour me reprocher de t'emmener avec moi. Il faut la faire nettoyer. Ça s'incruse vraiment partout, vos saloperies. Hein. Tu veux pas leur dire avant qu'on parte? Je veux pas qu'ils croient que je pars pour ça. C'est le cas? Qu'est-ce que ton père fout dans la voiture de ta mère? Oui. Oui, mais non. Mais dites-lui que je n'en ai rien à foutre que sa mère soit à l'hosto. Je la veux lundi matin à 8h à l'usine. Oui. Marie. À part Claire, personne ne sait pour les engrais. T'inquiète pas. J'aime beaucoup trop ton père pour lui montrer qui tu es. Il nous l'a encore ramené, celle-là. T'inquiète pas, elle peut rien faire tant qu'on reste sur nos terres. Et a intérêt. Une bête comme ça, ça se loupe pas. Regarde-moi ça, non mais regarde-moi ça. Il doit bien faire au moins 250 kilos. Et celui-là, il est pour moi. On fait quoi? On passe par la clôture? Non, non, on va d'abord au cabanon. Ensuite, on verra à partir du plan d'eau. Je te préviens, David, je veux une chasse propre. Hein? Tu vas quand même pas utiliser ça? Non mais attends, t'as vu le morceau? Nathan, ça te dit une petite partie de chasse avant d'aller t'enfermer en ville? Non merci, non. Elle t'attend si tu veux y aller. C'est bon, décroche. Oui. Non. Non, c'est réglé. C'est quoi ce dossier? Je peux pas vous laisser chasser. Tu crois qu'on a le pouvoir? Cette forêt est à nous. Enfin, si vous y allez, vous foutez en l'air toute ma politique de restriction. C'est ce qui s'est passé ce matin qui va tout foutre en l'air. Merci, ça se sait. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai rien avec vous. Pourquoi tu restes pas sagement à l'usine plutôt, au lieu de venir me faire chier sur mon terrain? Jusqu'à nouvel ordre, c'est l'usine qui vous nourrit, toi et ton terrain. Hé hey! Oh là, on se calme là! Nicolas a raison, on ne sera pas trop pour attraper cette bête. Je te demande juste 6 mois. Ça fait 4 ans que tu me demandes 6 mois. Pour notre bébé. Je sais pas. Avec le travail au labo et puis
pas comme si on pouvait pas en avoir plus tard. Est-ce que ton père, il se rend compte de ce qu'il te demande? Est-ce qu'il a la moindre idée de ce que ça nous coûte? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eric, votre proposition tient toujours? Eh oui. Qu'est-ce que tu fais, là? Je vais parler à ton père, parce que toi, t'en es incapable. Je t'interdis de faire ça. Pourquoi tu crois que je me suis fait muter? J'en ai ras-le-bol de ta famille. Vos putains d'engrais, tes formules chimiques à la con qui font vivre votre petit empire. Ça fait des années que je ferme ma gueule, que je te laisse te manipuler. Mais cette fois-ci, c'est hors de question. Attends. Attends. Bon alors, on décide. Il va, il va pas? Où lui la paix, David? Je suis content de finir avec lui. Ok. Maintenant, faut trouver les autres. Attends là. La boucole. Je t'emmerde avec ça, toi. Je vais su le démarrer. Quand il était en état de marche, je savais le faire. Ça fait combien de temps qu'on n'est pas venu ici? Depuis la mort de votre mère. Bravo, petit frère. Tu peux le payer, non? Allez, couche-toi. De l'aide, pas? Non, c'est bon, on laisse. Tiens, les carabines, ça a l'air d'aller. Merci, papa.
Pas. Tu vois franchement en venir à bout avec ce calibre? En fait, tu comprendras que c'est pas le calibre qui fait le chasseur. On laisse les portables ici, histoire de pas se faire emmerder encore avec les problèmes de l'usine. Regarde, tiens, il m'est éteint. Tiens, mets ça. Ça évitera de te faire tirer dessus. Moi, je croyais qu'il fallait se camoufler à la chasse. Pas avec le sanglier. Il se repère à l'odeur. Tiens, t'auras besoin de ça aussi. Tu rabats d'un coup sec le loquet pour finir de charger. Ah. Ah. Ah, c'est pas facile pour un gaucher, hein. Papa, tu veux bien parler à David, s'il te plaît, il veut flinguer le gibier tout seul. Oh, David! Tu peux pas m'attendre, pauvre le con! Ça va? Ça va, ça va. Occupe-toi plutôt de la piste. Elle t'a dit ce qu'il y avait dans le dossier? Quoi? Claire, elle t'a dit pourquoi elle venait pas finalement? Oui, comme d'habitude. La pression du marché. Un beau concurrent qui fout de la merde. Vous laissez 6 mois à votre fille pour trouver une nouvelle formule. C'est l'esprit de famille. Le petit patrimoine à sauvegarder. Je ne laisserai pas partir. Ça n'a rien à voir avec toi. Hein. C'est juste que c'est pas le moment. Elle est enceinte. Ce matin, on choisissait encore les prénoms. Et alors? C'est pas comme si vous ne pouviez plus en avoir plus tard. Je te le répète, c'est pas le moment. Arrêtez les conneries, votre boîte, elle a jamais aussi bien marché que maintenant. C'est ça, elle marche pas aussi bien que vous le dites. Hein? Et votre père, il le sait? Qu'est-ce que vous lui dites à lui sur le patrimoine familial dont vous avez la charge? Hein? Comment vous allez justifier que Claire reste? Non, petit con. Il y a des choses qui te dépassent, ok? Si tu t'avises de dire quoi que ce soit, mon père, allez vous faire foutre. Moi, j'hésiterai pas à foutre la mère pour qu'elle reste avec moi. Ah ouais? Ah ouais. Je crois qu'elle te le pardonnerait. T'as pas compris, toi? Tu fais pas le poids par rapport à nous. Maintenant, si jamais t'en doutes, tu peux tenter ta chance avec mon père. Ben, vas-y. Ok. Donc maintenant, on va se faire une gentille petite partie de chasse et toi, tu fermes ta putain de gueule. La profondeur, ouais, c'est possible. Il est pas loin. On arme. On y va.
Cassez-vous. Chut. Calme. Chut. C'est hors de question. Il n'y a qu'à toi qui l'obéit. Il n'y a que toi qui peux me le rabattre. C'est moi qui le traque depuis le début. Alors c'est moi qui dois le tirer. Mais comment tu peux le tirer si tu peux même pas l'approcher? Vous deux, vous l'encerclez. Chacun de votre côté. D'accord. Je savais qu'il fallait un plus gros calibre. Merde. Pourquoi t'avais pas chargé, toi? Qu'est-ce que t'es venu foutre ici si c'est pas pour chasser? Il est touché. Et puis je le sens, il y en a partout sur son passage. Ok. Calme, Dutch. Calme. Fais gaffe, fais gaffe. Je crois qu'il va falloir l'enfumer. Thank you.
Putain, c'est pas vrai. Il est peut-être déjà mort cette fois. L'odeur serait différente. Oh non! Qu'est-ce qu'il a? Non, 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 non! Ah, attends, fais gaffe, t'approches pas trop. Cette saloperie a deux entrées. Papa, Eric, ça va? Eric, ça va? Tire-toi! Papa, réponds-moi. Un plus gros calibre, hein? Ouais, ça va aller, ça va aller. Au moins, j'aurais battu ton record. C'est pas celui qu'on cherche. Ouais, pourquoi? Parce que celui-là, il a toutes ses dents. Regarde ça. Il s'est fait attaquer aussi. Plusieurs traces de morsure. Là, là. Et là. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nathan! Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir, Nathan! C'est les mêmes? Dis-moi que c'est pas les mêmes brûlures. Il s'est frotté sur l'arbre jusqu'au sang. Ça veut pas forcément dire grand-chose. Il se frotte toujours contre les arbres pour se débarrasser des parasites de la souille. La souille? Avec vos brûlures, elles vous grattent avant ou après la louche? Après. David, passez-moi votre couteau. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si c'est lourd, on va le savoir tout de suite. Il est où le point d'eau dont vous avez parlé tout à l'heure? Dis-moi, Nathan. Pas parce que j'ai les mêmes marques que cochon que je suis pourri à l'intérieur aussi. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Vous avez eu des douleurs à l'estomac récemment? Mais attends, ça se soigne? Oh, ça se soigne? Papa, il commence à faire nuit, il pleut là. On va faire demi-tour. T'as qu'à allumer ta lampe si t'as toujours peur du noir.
Il y a combien de châteaux d'eau comme le vôtre autour de cette forêt? Suffisamment pour alimenter tous les robinets de la région. Donne-moi ton téléphone, Nathan. J'appelle Marie, il faut qu'elle prévienne les services sanitaires. À mon avis, elle est déjà au courant. Alors c'était ça le dossier? Un rapport sanitaire échoué sur le bureau de votre ex-femme? C'est pour arranger ça que Claire doit rester 6 mois de plus? On n'avait pas le choix. Bon. Il a bien fallu un chimiste pour modifier vos engrais. Tu as impliqué Claire? C'était juste un moyen pour rendre les engrais plus compétitifs. Compétitifs? Putain, Nicolas. Vous les avez rendus tellement toxiques, vos putains d'engrais, là. Ils ont fini par passer la nappe phréatique. Mais de quoi tu te plains, toi? T'es le premier qui en a profité. Quoi, vous auriez préféré tout perdre? La ferme, l'usine, les terres? Le papa, ce que tu m'as légué, c'était de la merde. Nicolas, écoute-moi. Non! Ton usine, ta formule, tout ça, c'était de la merde. Et si moi, je m'étais pas bougé le cul, plus rien, on aurait plus rien du tout. C'est comme ça que vous avez convaincu votre fille de vous aider? Je l'ai déjà dit. Sa famille passe avant tout le reste. Toi, t'es qu'une petite merde. Ça suffit! Vite. Tiens, appelle Marie. Dis-lui que tout ça, toutes vos manigances, c'est terminé. Mon Dieu, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Elle était pleine, elle a bouffé ses saloperies. Oh mon Dieu, elle a dû allaiter longtemps. Les mamelles sont encore gonflées. Dans ce cas, ils sont où les petits? Des traces de nos produits dans la gueule. Oh mon Dieu. Ça va, Eric? Ça va, merci.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui a fait fuir les cerfs de la forêt. Et quoi? Le reste de la meute. Mon arme. David, arrête! Putain, David, arrête!
Putain, arrête! T'en supplie, David, arrête! Arrête! David, arrête! Arrête, David, arrête! Mon frère. Il est mort. La nuit prisée par la chute. Nathan, je suis désolé. Je suis désolé. Ça devrait stopper l'hémorragie. C'est ton portable. Il est encore dans la poche de ma veste. Je suis sûr que c'est clair. Elle a appelé tout à l'heure. Qu'est-ce que... Faut pas qu'il vienne. Marie, elles connaissent bien cette forêt? Oui, bien sûr. Elles venaient avec toi quand elle était petite. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Attends! J'ai vite des fiers se faire bouffer à leur tour.
toujours rien. Ils abandonnent. Viens, dépêche-toi. Je te passe ton portable. Préviens Claire avant d'appeler les flics. Donne-moi une arme! Donne-moi une arme!
Mais qu'est-ce que tu croyais, qu'on allait attendre patiemment que vous me donniez des nouvelles? Papa. Enfin, on est à la grille, là. On vient vous rejoindre. Surtout pas, faites demi-tour. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Faites demi-tour tout de suite. Oh, ah, nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nicolas, c'est Marie. Écoute-moi, Marie. Les animaux sont devenus fous. Ça se fait attaquer. La vie des papas sont morts. C'est les Anglais. Ils ont atteint la nappe phréatique. C'est à cause de l'autre, les animaux sont comme ça. Nicolas, dépêche-toi. Il n'y a rien. Je ne prévenais personne. Il se casse tout de suite. Fais la famille avec toi, il va bien. Faites ce que je vous dis, putain. Cassez-vous, prévenez personne. Papa. Nicolas. Dépêche-toi, mon fou. Assez avancé pour se prendre les pièges. Yeah.
Sur ton ex-femme pour t'arranger ce coup-là? Je pense pas avoir besoin d'elle en ce qui te concerne. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère? Tu pensais quand même pas que j'allais te laisser sortir de cette forêt, connard? Effectivement, non. Après tout ce que j'ai vu, qui s'est passé avec ton frère, tu croyais que j'allais te donner une arme chargée? Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dénoncer aux flics? Franchement, tu crois que ma fille te le pardonnera? Voyons. Claire, non, attends. Nathan ! Claire ! Claire ! Mais Nathan, mais qu'est-ce qui se passe ? Putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Pas le moment ! Prends tout de suite dans la voiture ! Nathan ! Nathan, qu'est-ce qui se passe ? Montez dans la voiture ! Où est Nicolas ? Nathan!
Claire. 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 Attends. Appelle les secours! Putain, mais tu pisses déjà le sang! Appelle les secours!